tous les candidats qui ont le courage de venir. Car tous les candidats, pour moi, sont des gagnants. Parce qu'ils ont osé venir, ils ont osé faire des préparations. Je tiens aussi à remercier tous les membres du jury. Forcément, je suis parti sur des fromages essentiellement les crus, enfin 100% les crus. Et je me suis amusé à détourner un petit peu le terme cru dans la crudité, le légume, esprit un petit peu japonais. Donc ici, vous avez un univers vraiment sur le champignon cru. Ici, je suis parti sur une déclinaison de la carotte, toujours un esprit un peu jardin. Après, l'esprit japonais, style sashimi en fait de fromage avec des petites graines, des petites épices. Ensuite, on remonte un petit peu vers le cru, mais qu'on aime boire. Donc le vin, la bière et les spiritueux. Et enfin, je suis parti sur les associations fruitées, notamment l'Etiva, sur lequel je suis très fier. L'Etiva est vraiment un fromage qui a cet arôme de fruits exotiques et d'ananas. Donc l'association est vraiment parfaite. Et mon plateau, j'ai choisi vraiment de mettre en valeur les fromages au lait cru et je voulais un plateau authentique. Donc j'ai récupéré des planches d'affinage de Tom de Savoie pour faire les supports.
Et ensuite, j'ai essayé de les mettre juste les fromages et pas rien autour, pas de fruits, pas rien autour, juste le fromage pour le mettre en valeur. J'ai choisi de mettre trois fromages du Nord, donc que j'ai mis en haut. La mimolette, le dôme de Boulogne et le carré du vinage qui est fabriqué vraiment à côté de chez nous. Et c'était important aussi de représenter la région. Je suis la seule représentante des Hauts-de-France, donc c'était important.